aujourd'hui, je voudrais que l'on analyse cette photo. Emmanuel Macron, notre président de la République, notre cher président. Et regardez, là, après son élection, il est ému. Oh. Ah bah si, il est ému. Ah bah attends, je suis désolé, il est ému. Attends, regarde, tiens, il est pas ému là peut-être. Je suis désolé, hein, si vous voyez pas un homme ému là, alors c'est que il vous faut des lunettes, hein. Il faut aller chez l'ophtalme, pour les yeux là, parce que moi je vois un homme ému, c'est tout. Alors vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez, hein. Moi je vous dis que dans cet homme, hein, dans ce corps frêle, il y a un petit cœur. Mais ça, on le voit pas, et puis c'est tout, voilà. Ou alors vous avez pas envie de le voir. Mais je suis désolé, là je vois un homme ému, qui est envahi par les émotions. Et pourquoi? Parce que vous avez voté pour lui. Et il est content, hein. Ah bah si, il est content. Et vous allez voir, maintenant que vous avez voté pour lui, eh ben, il va... Je pense que maintenant, il va... Comment dire? C'est un peu difficile à expliquer. Il va... Parce que bon... Vous avez voté pour lui, alors lui, ouais. Alors du coup, il va... Je sais pas comment dire. En tout cas, on voit bien son émotionnement. Oh. Alors oui, pour ceux qui en doutaient, sachez qu'il y a bien un cœur dans le corps de cet homme. Oh. Oui, je sais, ça peut vous paraître étonnant, mais si. Et vous allez voir d'ailleurs, pendant son nouveau quinquennat, là, vous allez voir, il va... Comment dire? Il va... Parce que, bon, alors quand vous avez voté pour lui, alors oui, ouais, tout. Alors du coup, il va... Pas vraiment, mais un... Enfin, ça... Faut voir. Mais en tout cas, je suis désolé. Il est ému.